Bonsoir tout le monde, bienvenue sous Palmise avec Maboulakay. Canada, pour la première fois, yon haïtienne sacré champion dans un gros concours qui t'a fait que yon la voix au Québec. Il faut nous dire qu'un concours ça a li presque même Jean Sandarelli, un American Idol qui passait aux États-Unis. Donc, yon haïtienne qui gagne 27 ans, non, lycée Yama Laurent, eh bien, c'est lui-même qui remportait le concours ça. On nous dit, et dans le passé, tu as d'autres talents d'origine d'Haïti qui t'est passé dans le concours, mais qui n'est pas arrivé pour t'exploiter ça. Que Yama Laurent arrivé remporté, qui c'est dimanche, qui c'est 2018 là. Et il faut nous dire que c'est pas en pile monde pas étonné de ça, parce que Yama, t'es vraiment étonné, tout le monde qui t'a regardé chaud, tout le monde sait Yama Laurent, Yama Laurent. Donc c'est sans surprise que justement que Yama Laurent remporté sixième saison de grand concours musical ça qui compte fait au Québec que La Voix. Donc Yama Laurent on en a parlé à elle est La Voix, Sandra dit c'est La Voix au Québec. Et il y a trois autres finalistes qui ont été triés sur le volet, qui après Yama il y a Myriam Bagadachian, Yann Brassard, Jonathan Freeman. Donc finale à fait avec Andy, quatre derniers, c'est quatre derniers mounio, c'est eux-mêmes qui t'appellent font dernier virage, un dernier boissé, pour qu'on ait qui est-ce qui t'appelle arriver champion, mais c'est Lama qui pose, c'est Yama Laurent qui pote la maillotte là. On nous dit que Yama Laurent, lui saute, lui fait le 4 septembre 2010, lui saute Léogane, lui fait études de santé à l'université, en fait, lui étudie médecine. Et à l'université de Santiago, Saint-Domingue, l'université technique de Santiago, République dominicaine. Donc, Fanon dit que toute foule là, toute foule mounioté prend vraiment vrai sous emprise de Yamalouan, tout le monde te ramène, et lui charmé, séduit tout public là, tout jugeo, lui vraiment affirmé, yon talent exceptionnel, yon voix hors de commun. Et faut nous dire tout pendant le concours, ça a été un pile et chanteur de renom, chanteur français de renom, en tant que Ginette Renault qui t'a participé là-dedans, Gaouté là tout, et Guénien Corneille, Mentor Corneille, donc bon ensemble de pléiades d'artistes très connus qui t'ont pris part à grand concours ça. Et donc, eh bien, c'est dans le contexte ça que Yama Laurent arrive à remporter le prix ça, qui s'est fierté, qui l'a élevé pour nous, bien haut, en pile monde content. Très certainement, ça qui arrive que il y a des autorités, pas ici, qui pourraient commencer là maintenant, Yama Laurent, parce que nous connaissons bien pour nous, pas ici, toujours aimé faire capital politique yo, sous événement, les arrivés. Maintenant, rappelez pour tout le monde, ça t'est passé. Yama Laurent dans le passé. Et, en fait, t'es fort étudiant en médecine en République dominicaine. En fait, yo kaban histoire sa bien. À un certain moment de la durée, Yama Laurent t'a fait des démarches. Côté où plusieurs t'es supposé à représenter Haïti dans un concours qui t'a fait Hollywood. Et ça t'est arrivé, il t'est venu dans ce domaine, côté qu'il y a des étudiants qui t'a fait quête pour lui, parce que t'as pas de comme. Ok? Pour te faire voyager ça. Oh, il se trouve que, coup surpris, bon, bagage qui est surprenant, c'est que, mais, visa ça, yo, qui, côté que l'équipe a été supposée aller là, et mais, autorité, pas bon, ici en Haïti, eh bien, yo, vend, yo. Tenez bien, yo, vend visa ça, yo, qui peut te faire que l'Italie n'a encore coup ça. En fait, nous capables de chercher beaucoup plus d'informations, surtout de la part des étudiants en médecine, en République dominicaine, il y a bon détail bien, l'histoire ça. Tenez bien, visa pour te faire voyage ça, c'est pas un seul, yo van qui te découragé, manze qui fait, mais il t'a échoué, eh bien, au Canada, comme ou pas qu'à craser le monde, ça pour faire la fête quand même, eh bien, il finit par trouver lui, eh bien, au Québec, côté que lui, sacré champion. Donc, main histoire, haïtienne, sont haïtiennes très courageuses, et nous dit bravo et félicitations, puisque lui représente nous valablement dans le concours ça. Mais, il y a personne monté dans un moment pour venir faire capital politique, yo, parce que nèg ça a été vendu visa pour que Yama Laurent t'a participé dans un concours Hollywood. Il était vraiment découragé, il était obligé d'aller au Canada. Mais, il n'y a pas de cas vendre un rêve, lui.
Et ça fait n'a dit à un pile génio, puis gagne aussi span rêver, puis gagne aussi span goumé, malgré nous qu'on est nèg politique, pas bon ici, pas bon là, pas rien sérieux à faire pour pays. Mais ça va supposer, mais prend toute force pour nous suspendre bataille, pour nous, pour rêve nous, pour nous suspendre goumé, pour ça que nous croyons. OK? Donc, sur notre table, là, nous, moi, nous, on était branchés, inscrits, sous palmier, ça m'a pour la caille.